Salut à vous les amis, bon après-midi. J'espère que vous allez super bien, vous êtes en forme. Moi je suis cool là. Bon, cette publication va vous montrer comment télécharger une vidéo sur YouTube, sur Facebook. Donc, vous venez de tomber sur une vidéo intéressante sur Facebook. Tu aimerais bien la voir dans ton ordinateur, dans le disque dur de ton ordinateur. Comment faire? Donc, aujourd'hui, je vous donne l'astuce. Je vous donne l'astuce. À partir d'aujourd'hui, vous n'aurez plus de difficultés à le faire. Donc, allons-y sur Facebook. Donc, il faut être déjà connecté sur Facebook. Et déjà avoir choisi la vidéo à télécharger. Ma vidéo, c'est une vidéo que j'ai choisie dans le site d'Equinox TV, de Zénith, dans l'émission Zénith qui se passe chaque 10, de 10 à 12 heures. Donc la première des choses, c'est déjà le Bonjour, choix. monsieur. Quand tu as choisi la vidéo, tu fais un clic droit sur la vidéo. Le clic droit et tu cliques ensuite sur afficher URL de la vidéo. Je clique sur afficher URL de la vidéo. Je sélectionne l'URL en cliquant dessus. L'URL qui est affichée, je sélectionne en cliquant dessus. Je fais un clic droit. Je copie. Clic droit, copie. Après, j'ouvre une nouvelle page. Je viens, je colle. Je colle sur la barre de recherche et je viens à ce niveau enlever rien que les 3 W. J'enlève les 3 W et je remplace par M basique et je valide sur entrée pour et cela me redirige sur une nouvelle page contenant la vidéo. Je clique sur la vidéo. Je clique sur la vidéo. Je patiente un peu. Bon, il y a des choses à se mettre sous Voilà. la dent. Quand la vidéo apparaît, je peux venir directement là, lancer mon téléchargement dans l'autre parce que moi, mon truc, mon ordinateur en anglais dans l'autre. Pour certains, ce sera téléchargé. Vous cliquez directement dessus. Voilà le lien. Voilà ça qui télécharge. Le téléchargement est en cours. Une autre façon de le faire, c'est de nommer avant de télécharger. Tu renommes. Il suffit de faire un clic droit sur la vidéo en question et tu choisis Save. Tu cliques ensuite sur Save Video As. Là, c'est pour des téléphones, des machines en. Ça, c'est en anglais. Maintenant, en français, ce sera enregistrer la vidéo comme et vous cliquez dessus. Là, tu auras l'occasion d'ajouter le nom. J'appelle ça Facebook. Bon, vidéo. Bon, je vais appeler ça Equinox. Equinox Zénith, Equinox TV Zénith, vidéo là, tout dépend de vous, hein, le nom. Moi je l'ai fait et tu choisis dans quel dossier l'enregistrer. Moi je le mets au bureau directement. Là voilà le lien qui a, voilà l'enregistrement qui est en cours. Donc voilà les deux techniques pour le faire. J'espère que vous avez bien retenu. C'est aussi facile que ça. C'est aussi facile. Il suffit seulement de chercher l'information. Merci d'être abonné. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, c'est vous abonner. Il y a beaucoup de choses qui arrivent plus intéressantes que ça. Et abonner et liker la vidéo. Ajouter des likes, aimer, aimer. Et à plus.